L'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à vos questions, éclairer toutes les zones d'ombre par rapport à ce que vous posez comme questions qui sont relatifs à la thématique du BIM. Je vais d'abord présenter l'équipe pédagogique qui sera parmi nous aujourd'hui. Donc, il y a professeur Rafiq Haji, professeur à l'IAV et professeur affilié à l'école d'architecture à SA+D UMC. Monsieur Walid Benmansour, architecte expert en BIM. Madame Amel Est-ce qu'on Baïd, peut avoir plus de son, s'il vous plaît? c'est le maximum qu'on pourrait avoir. Et Madame Amel Maizi, architecte également, experte en BIM et de ses applications. Et Si Hamid Jaguar, architecte du privé, qui va nous parler de son expérience du master lors de l'édition précédente, et qui, voilà, alumni de l'édition précédente. Donc, avant de commencer réellement de parler sur le BIM et le CIM, je tiens à rappeler à peu près le contexte de cette formation qui est l'Université Mohamed VI et l'École d'architecture, la SA+D. Donc, comme vous savez, l'UM6P, c'est une université qui est axée sur la recherche appliquée et où l'innovation est le maître mot. C'est un concept qu'on décline sur tous nos programmes de formation, sur tous nos programmes de recherche, sur tous nos programmes également de master exécutif, notamment Head de Master. C'est une université qui entend accompagner tout un développement, pas seulement à l'échelle du Maroc, mais beaucoup plus à l'échelle africaine. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'on a beaucoup de candidats, que ce soit de formation initiale ou bien de master, qui sont, on va dire, des contextes africains qui veulent un peu plus entreprendre cette thématique-là. C'est une université qui assure, que ce soit aux étudiants, quand on est dans la formation initiale, ou aux exécutifs, notamment un public comme vous, pour assurer une formation continue, pour assurer un apprentissage qui est unique. Ils essaient de satisfaire leurs besoins, mais bien sûr toujours axé sur le terrain et axé sur les études de cas pratiques. Vous savez toujours que l'Université Mohamed VI Polytechnique, c'est une université qui assure maintenant un impact international par un réseau très large de partenaires et par des programmes de formation qui sont innovants. Le master qu'on propose aujourd'hui, c'est le master BIM to CIM. Il est mené par la SA+D, l'école d'architecture, la School of Architecture Planning and Design, le département ExEd de l'université qui gère l'ensemble des programmes de formation exécutifs et bien sûr l'UM6P. À la SA+D, notre vision, c'est beaucoup plus faire avancer toutes les connaissances, toute la science et toutes les recherches en matière de construction, en matière de territoire, en matière d'architecture, et qui soit, je veux dire, orientée et focus sur l'usage des technologies smart. Donc là, c'est un nouveau positionnement qu'on ramène par rapport au métier de la construction, de l'ingénierie et de l'architecture, avec comme mission principale, pouvoir accompagner toute une nouvelle génération de professionnels à assurer, à accompagner tout cet élan de digitalisation qu'on remarque dans les métiers de la construction. Et voilà, donc c'est à peu près ça le contexte de la formation. Et par rapport à ce contexte qui est tel, on a préparé tout le curriculum de cette formation et qu'on essaie d'adapter pour répondre du mieux qu'on peut aux besoins de tous les professionnels. Alors, quel profil on cible à travers ce master? C'est des thématiques qui sont différentes. Et donc, jusque-là, on est sur des inscrits qui viennent d'horizons très différents, que ce soit de l'architecture, de l'ingénierie. On est également sur des profils qui viennent des métiers du pilotage, de gestion de projets de construction, d'aménagement urbain et territorial, mais aussi sur tout ce qui est d'ordre topographique et d'ordre géotechnique. On va parler maintenant du BIM et du CIM et on reviendra par la suite pour parler sur le déroulement du master et, comme je disais, un témoignage d'un ancien participant. Si Walid Belmonsour, je vous donne la parole. Merci, merci Leïla, merci à tous ceux qui ont veillé à bien organiser cet événement et qui sont aujourd'hui en back-office en train de gérer nos connexions, nos échanges et tout. Merci à tous ceux qui se sont intéressés et qui sont présents parmi nous. Aujourd'hui, il faudra dire que, bon, l'intervention, elle est dans le cadre d'essayer d'éclaircir un peu notre audience sur le volet BIM,
pourquoi, le comment de ce master. Et dans ce cadre-là, je vais partager avec vous une présentation dans laquelle on va essayer de simplifier un peu les choses, de vous rapprocher un peu de l'actualité et de vous dire ce qu'il en est réellement par rapport au processus. Bien sûr, la formation, elle est un peu particulière et elle a aujourd'hui un atout différent de ce qui se fait un peu partout dans le Maroc. C'est que on va pas être uniquement dans ce qu'on appelle le fait d'être uniquement dans le processus BIM, mais on part à plus large, c'est-à-dire le CIM qui est l'intégration de toutes données géospatiales et l'intégration de l'échelle du territoire, de la planification et de l'urbanisme. Donc, je partage son voilà. J'ai commencé à mettre tout d'abord, je vais essayer de contextualiser un peu ce qui se passe. C'est que on est en train de parler aujourd'hui du Maroc. Est-ce que c'est une transition ou bien c'est une transformation ou bien transition digitale? Il faudra dire que pour mettre en contexte, il y a eu deux discours phares de Sa Majesté en 2016 et en 2018. 2016, on a parlé de la transformation digitale pour qu'elle soit comme un élément précurseur et un élément fondamental dans tout ce qui est réorganisation et fluidification, gestion des services publics. Puis, en 2018, c'était dans l'Assemblée de l'Union africaine. Et encore une fois, il y a cette expression de l'importance de la transformation digitale et de l'utilisation de tout ce qui est outil digital au niveau de la gestion et du développement de l'Afrique en général. Après, en 2020, il y a eu un petit livret qui est sorti, qui a été sorti par le chef du gouvernement sous l'intitulé Note d'orientation générale pour le développement du digital au Maroc à horizon de 2025. Et ce qui est très intéressant, c'est que le livre, il a parcouru un peu tous les secteurs. Et on voit un des graphes qui montre la digitalisation et l'apport des gains de compétitivité importants pour l'économie. Et par simple hasard, quand on parcourt le graphe, on trouve tous les métiers, commerce, logistique, électricité, télécom, médias, énergie fossile, auto, aviation, mine, chimie. Mais notre secteur, le secteur de BTP, un secteur qui contribue à l'échelle mondiale, avec un pourcentage assez remarquable et important au niveau du développement du PIB, n'y existe pas. Après, en 2020, plus spécifiquement en septembre 2021, il y a l'OSIM, c'est l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, qui a fait une enquête dans laquelle elle essaie de positionner quelle action, ou bien quel type de transformation digitale, ou bien quel type d'éléments qui ont pu être actionnés au niveau des secteurs d'activité. Encore une fois, services, finances, industrie, autres, publics, NTIC et agriculture. L'immobilier, encore une fois, il est absent. Et là, on commence à s'inquiéter un peu, alors que depuis 2016, si je reconstitutionnalise les choses, 2016-2017, on a des projets sous processus BIM qui sont en train de s'installer au Maroc et on a comme par exemple les tours CFC, la tour Mohamed VI, les différents théâtres, que ce soit celui de Casa, que ce soit celui de Rabat, des projets phares d'envergure certes, stratégiques certes, mais qui ont utilisé et qui se sont dotés des moyens et des outils pour être gérés sous processus BIM et user de ces applications pour pouvoir maîtriser ce genre de grandeur de projet. En contrepartie, au niveau des services, on trouve que le Maroc a instauré le ministère de transition digitale. Il y a la création de la plateforme RORAS, il y a la création des plateformes des agences urbaines, il y a le Digital Day qui s'impose, le JITEX comme événement, et on sent cette
sorte de transformation ou bien cette conscience prise par tous les secteurs, par tous les acteurs des activités et des secteurs d'activité économique, par l'obligation et par l'importance de la transformation et la transition digitale au Maroc. Ce que j'aimerais bien dire à notre audience aujourd'hui, vu qu'ils veulent ou bien ils sont curieux à connaître le programme, mais aussi à s'instruire, pourquoi le BIM ou le CIM? C'est tout simplement, j'aime beaucoup cette citation, d'ailleurs que j'ai eue lors d'un cours de transformation digitale et qui exprime réellement ce qu'on est en train de faire et ce dont on doit faire aujourd'hui. Cette expression dit « The winners will be the ones who made their digital transformation a human transformation ». C'est tout simplement en français, j'ai essayé de traduire, la transformation digitale est humaine avant tout. Il faut former l'humain, il faut le mettre à jour, il faut augmenter ses compétences, lui faire découvrir ce monde digital, lui faire utiliser le monde digital. Et ceci me fait rappel un peu au début du digital, quand on a eu la première vague des logiciels pour modélisation au Maroc et tout, au niveau de nos écoles d'archi, c'était pas plus qu'un moyen de dessiner plus vite et d'afficher les choses avec des effets de couleurs et avec des objets qui nous facilitaient plus rapidement à représenter nos rendus que vraiment réellement être dans un fichier qui reflète un projet ou bien qui servira à réaliser un projet. Définition et usage. Je ne vais pas vous dire ce que c'est le BIM, Building Information Modeling, Modeling Management, etc. On ne va pas partir et s'étaler sur ça. Moi, je vais parler sur les changements de paradigme essentiels qui sont apportés. Il y a un changement, c'est le premier changement de paradigme, c'est qu'on a pris une conscience. Il y a une conscience essentielle à travers le diagramme du BIM par l'existence d'un cycle de vie. Avant, en tant que concepteur, bureau d'études, ou autre acteur de l'acte de bâtir, on était, notre partie d'intervention dans ce cycle-là était vraiment réduite à la petite partie, c'est-à-dire la programmation-conception. On partait un peu dans les détails, on sautait tout le reste pour partir directement à la construction. Et dans ce cadre-là, une fois qu'on a livré le bâtiment, le maître d'ouvrage et le bâtiment, les deux sont livrés à eux-mêmes dans une bataille. Un cycle de vie d'un bâtiment en moyenne, il est d'un siècle pour un bâtiment à usage habitation. Et imaginez si vous n'arrivez pas à cerner toute la data avant de construire, comment va être la gestion après construire? On a tous vécu le chantier marocain et le chantier à l'international, ça pas uniquement marocain, où les choses se corsent à travers les étapes de construction et quand on arrive au chantier, les plans d'exécution, ils évoluent un tout petit peu au départ, puis à un certain moment, les choses se chevauchent, s'entremêlent, on n'arrête pas de faire de la casse, on n'arrête pas de faire de la reprise, de réajuster, mais pour synchroniser le tout, pour digitaliser le tout, pour synchroniser le tout, on trouve des prémices de plans d'exécution dont les cartouches à la fin du chantier vont changer et on va être en plan de récollement qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'évolution du chantier et du bâtiment. Ceci n'est pas uniquement par le fait que on n'est pas la méthode conventionnelle n'est pas organisée, mais l'accélération de l'acte de bâtir, l'accélération de la production avec le mode conventionnel, on n'arrivait plus à synchroniser autant les idées. Deuxième changement de paradigme, on s'est rendu compte que notre mode de fonction ou notre mode de connexion de parole dans un chantier était beaucoup plus focalisé à des échanges bilatérales et dont les différentes idées se perdent avec le temps. C'est soit des PV qui sont incomplets, soit que des personnes assistent à des réunions et d'autres n'assistent pas. Et au bout d'un certain moment, on sent qu'on maîtrise les choses. Mais si on veut revenir dans l'historique du projet, on a toujours des failles d'information. Aujourd'hui, avec le processus, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a la centralité du projet. Et donc, chaque acteur du projet, quand il va venir, dès le départ, dès que le maître d'ouvrage va commencer à avoir l'idée pour programmer son projet, il va être dans le sens où il va implémenter des informations dans une base de données. Et quand on parle d'information et base de données, l'architecte, quand il va venir, il va construire dessus, puis le bureau d'études, ainsi de suite. Et ce qui fait qu'on est en train de construire à travers le temps une chronologie d'une histoire, une chronologie de suite d'événements, une chronologie de données et d'événements et de décisions qui seront très profitables au maître d'ouvrage
qu'il récupérera son ouvrage pour l'exploiter. Parce que à tout événement, à tout moment, à tout élément du bâtiment, il aura l'historique de ce qui s'est passé et il pourra gérer le futur de cette historique parce qu'il n'a pas de faille d'information. Et en plus de tout ça, malgré la diversité des logiciels qui sont utilisés et les outils qui sont utilisés, on arrive aujourd'hui à avoir une base de données, un archive, une sorte de forme d'histoire bien constituée d'un seul projet. Et surtout, le processus va partir vers uniformiser le format d'échange pour permettre ce qu'on appelle le concept d'interopérabilité, que beaucoup réduisent au logiciel. Et moi, je voudrais bien dire que c'est une interopérabilité tout d'abord qui est partie vers entre métiers et entre spécialités. Et on arrive à échanger d'une manière fluide les différentes données dans un format plus ou moins synchronisé et dans une zone centralisée sans perte de données. Troisième élément, le BIM et l'acte de bâtir et les cas d'usage, on recense à peu près aujourd'hui à travers l'évolution et les différentes étapes et phases de l'acte de bâtir jusqu'à l'exploitation. C'est-à-dire, il y a le BIM for Plan, BIM for Design, BIM for Construction, et ça finit par BIM for Operate, qui est la phase exploitation. Et le BIM en soi-même, le processus en soi-même, il ne cesse de se décliner à travers des applications. Donc, on a ch cherché les différents champs où on veut constituer, où on veut avoir et maîtriser la data. On a réparti les spécialités, les spécificités, les éléments avec lesquels on intervient et on a essayé de trouver les applications adéquates à chaque typologie d'action, ce qu'on appelle les cas d'usage aujourd'hui. Il y en a des cas d'usage qui sont transverses à travers toutes les phases et on a des cas d'usage qui concernent une ou deux phases. Mais si on revient et on veut contextualiser au Maroc, regardez ce qu'on est en train plus ou moins d'essayer ou bien de tester comme cas d'usage. Sur les 24 ou les 25 qui étaient affichés, on est à peine en train d'essayer de toucher quelques-uns, malgré qu'on est en train d'appliquer le BIM, parce que le chemin devant nous est grand. Il y a, quand on dit un changement de paradigme, on n'a pas changé de métier, il n'y a pas de changement de responsabilité, mais il y a des nouveaux rôles un nouveau rôle à jouer. Il y a des nouvelles petites variations au niveau de responsabilité selon le processus en soi-même, mais surtout, il y a différents cas d'usage à expérimenter pour pouvoir optimiser, pour pouvoir mieux gérer cet acte de bâtir. Et il faut dire aussi qu'il y a un troisième élément dont j'aimerais bien parler, c'est les différentes approches du BIM à travers le monde. Il y a trois approches essentielles. Le top-down, quand le BIM il est imposé par l'État. Le bottom-up, quand les professionnels de BTP sont engagés dans la promotion du BIM. Le middle-out, c'est tout ce qui est institutionnel ou bien des organisations de grand poids dans un pays et qui essayent de promouvoir le processus. Et réellement, quand on fait la topo au niveau du Maroc, ce qu'on trouve, c'est que au niveau top-down, il y a une volonté discrète. Elle n'est pas exprimée par des textes de loi ou autres. Elle est le seul réel, plus ou moins top-down, que je peux dire, c'est que l'IMANOR, l'Institut de normalisation marocaine, a défini le BIM, c'est la définition standard qu'elle a intégrée dans la norme 30.05.007, et la définition du Scan-to-BIM dans la norme 30.05.007 de 2021. Donc, ces deux définitions, il n'y en a pas plus. Il y a beaucoup d'institutions, dont la SAP, l'Université Mohamed VI et la SAPD, l'École d'archi, qui sont aujourd'hui conscients de l'importance du processus et qui jouent le rôle dans le middle out afin de pouvoir promouvoir davantage et créer davantage de visibilité et rapprocher les professionnels de l'acte de bâtir et d'aménager encore, parce qu'on parle du territoire et un bâtiment, il est inscrit forcément dans un espace territorial, dans un territoire bien déterminé. Il est impacté par son environnement, mais il l'impacte aussi à son tour. Et du coup, on s'est dit aujourd'hui, la relation entre le territoire et le bâtiment est tellement évidente qu'il faut lier les deux données et qu'il faut offrir aux professionnels une formation plus large, plus vaste que s'arrêter au niveau du bâtiment.
Et cet échange-là, il a toujours été, même si on est en train de construire en tant qu'architecte aujourd'hui, quand je construis, je me soucie de la viabilisation du terrain, je me soucie de la connectivité de mon bâtiment, je me soucie de fluidité de circulation, l'asservissement de ce bâtiment par tous les différents, toutes les différentes infrastructures. Et du coup, je suis en train de gérer quelque part son emplacement dans le territoire. C'est d'où l'idée du BIM to SIM. Et en bottom-up, malheureusement, ce que je peux dire aujourd'hui, architecte, bureau d'études, IGT, entreprise, association, ordre professionnel et acteur, on est encore un peu mitigé, on est encore en train de réfléchir, oui, il faut promouvoir ou pas, mais il y a une prise de conscience, on en parle de plus en plus, et je pense que le meilleur positionnement aujourd'hui qu'on peut se faire, surtout avec toute la conjoncture actuelle, surtout avec les grands projets stratégiques qui se passent au Maroc, avec l'avènement des deux grands événements 2025-2030 au Maroc et la connectivité du Maroc avec le continent aujourd'hui, il est très important d'adhérer à ce genre de programme parce que transition ou transformation digitale, on y est, le monde de BTP, le monde de l'aménagement du territoire se rencontrent enfin pour former une seule famille, une grande famille qui va réfléchir le développement de cet acte. Je ne vais pas tarder plus, j'ai essayé de vous briefer rapidement sur le BIM, le contenu et ce qu'on va avoir. Il y aura bien sûr des applications, on va essayer de toucher à la pratique, mais il va tout d'abord maîtriser le côté du processus sur ses normes, ses aspects, ses cas d'usage et les différentes définitions essentielles. Après, je laisse et je cède la parole, je pense, professeur Rafeta, pour partir vers le CIM. J'ai essayé de couvrir le bâtiment, je lui laisse de couvrir le territoire et c'est une complémentarité aujourd'hui entre les deux domaines d'activité et de gestion. Merci de votre attention. Merci, merci, c'est Walid. C'est très clair. Je vois clairement que vous avez rappelé tout le contexte du projet, tout le contexte de la digitalisation de manière générale au Maroc. Je céderai la parole à Madame Rafeqa pour parler du CIM et on reviendra pour une série de questions par rapport à votre intervention. Madame Rafeqa, à vous la parole. Merci Leïla, vous m'entendez bien? Oui. Bien, merci. Alors, merci pour l'invitation à ce webinaire dans l'objectif un peu de clarifier les deux concepts BIM et SIM à travers le master et essayer de démontrer en quoi c'est utile maintenant d'adopter ces deux technologies qui sont pas concurrentes mais beaucoup plus complémentaires. En fait, c'est Walid, donc il a bien établi les concepts propres au BIM, qui en fait une technologie qui relève du domaine de l'industrie de la construction et qui a été conçue essentiellement pour un objectif d'économie de la construction, optimisation des coûts et des délais. Voilà, donc il y a beaucoup de concepts qui sont liés à la technologie en termes de modélisation, en termes d'aspects collaboratifs, en termes de processus métier. Donc, vous avez déjà vu donc ces concepts à travers l'intervention de Cévalide. Moi, je vais partir un peu sur le CIM. Donc, le CIM, acronyme pour City Information Modeling. En fait, c'est un concept qui est une évolution des modèles 3D de ville. Comme vous le savez, donc la 3D ne date pas d'aujourd'hui. Donc, à partir des années 2000, on a vu des exemples d'applications de modèles 3D de ville à travers le monde qui ont été développés essentiellement pour des besoins de visualisation. Mais le CIM, il va plus au-delà de l'aspect visualisation. Il propose une modélisation 3D détaillée d'une maquette 3D de ville, ou bien le concept city, en intégrant tous les objets urbains, donc tout ce qui concerne le bâtiment, l'infrastructure, le réseau, donc la végétation. L'objectif est de fournir un modèle 3D à la fois géométrique et sémantique, parce que donc la géométrie elle est réalisée à travers une modélisation 3D et là, essentiellement, on travaille donc avec les données géospatiales, avec une grande panoplie de systèmes d'acquisition 3D, comme les prises de vue par drone, le scanner laser avec ses différentes plateformes, qui sont des inputs essentiels pour créer la géométrie 3D du bâtiment et des autres objets urbains qui constituent le paysage de la ville.
Il ne suffit pas de produire un modèle 3D géométrique, mais il faut y rattacher une certaine sémantique. Et la sémantique, un peu, c'est l'équivalent à l'information attributaire qu'on trouve dans une base de données SIG. Donc, il faut que chaque objet 3D urbain ait un certain nombre d'attributs d'informations thématiques qui vont permettre de faire de simulations et de l'analyse spatiale. Donc, à travers une maquette 3D, donc, on essaye de faire de l'analyse spatiale 3D pour faire un ensemble de simulations sur des thématiques qui sont intéressantes pour la gestion de la ville. Et c'est là où le SIM trouve son potentiel dans tout ce qui est smart city et ville durable, parce qu'à travers une maquette 3D intelligente qui regroupe une géométrie détaillée, bien sûr avec un certain nombre de niveaux de détails qui vont dépendre de l'application, et aussi une sémantique riche, il est possible de faire un certain nombre de simulations qui peuvent porter sur plusieurs applications. Je donnerai des exemples, la gestion des inondations, la mobilité urbaine, l'étude d'impact de projets urbains, l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y a une panoplie d'usages qu'on peut faire autour de la maquette 3D urbaine, qui est le SIM. Alors, le SIM, c'est pour City. En fait, le concept, il a été créé à la base pour étudier le cas des villes, mais en fait, il peut s'étendre à être transposé sur plusieurs contextes. Donc, on n'est pas donc censé avoir uniquement la ville entière comme un objet d'étude. Donc, ça peut porter sur un quartier urbain, un douar, une agglomération, une région, comme il peut s'agir d'un SIM appliqué, par exemple, à des réseaux d'infrastructures comme un réseau ferroviaire, par exemple. Et ça, donc, tous les concepts liés à la modélisation SIM vont être transposés à ces cas avec des échelles différentes. Alors, donc, pour le SIM, pour que ait sa valeur ajoutée de pouvoir simuler la ville et faire des analyses, donc derrière un SIM, il y a toujours une base de données géospatiale 3D. Parce que la sémantique, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très importante. Donc, il faut qu'on puisse faire des analyses appliquées à un cas d'usage particulier pour lequel un ensemble d'attributs et d'informations thématiques puissent être stockés dans une base de données, parce qu'il ne suffit pas de faire des analyses ponctuelles à travers des viewers web, mais il faut instaurer une base de données géospatiale qui va un peu pérenniser l'analyse spatiale et la simulation autour du SIM. Alors, donc, le SIM, maintenant, donc on parle du BIM et SIM. Déjà, je vais un peu aborder cette complémentarité, pourquoi les deux? Pourquoi c'est intéressant de les étudier dans un master? Pour plusieurs raisons. D'abord, le BIM, il s'applique à l'échelle du bâtiment, mais il faut savoir que le bâtiment, il s'intègre dans un contexte géographique et il a des relations avec les autres objets urbains comme les réseaux, la végétation, etc. Je donne un exemple pour étudier la performance énergétique. Donc, on a intérêt à étudier les interactions thermiques entre l'arbre, la végétation, et qui se trouve donc devant une façade de bâtiment. Et c'est là où on voit l'intérêt d'implanter le BIM dans un contexte géographique pour pouvoir étudier ces interactions. Donc, on évolue maintenant vers une intégration de plusieurs paradigmes technologiques. Et c'est là où on voit l'intérêt de parler de jumeaux numériques urbains, je donnerai une définition brièvement, qui sont des modèles 3D virtuels de ville, qui essaient de faire des répliques numériques d'un territoire. J'utiliserai ce mot pour englober les différentes échelles, et pouvoir faire des simulations d'analyse et essayer d'agir sur le monde physique, donc à travers un échange bidirectionnel de la data entre le monde physique vers le monde virtuel, et pouvoir transposer des actions et des informations vers le monde physique. Alors ça, c'est la grande révolution autour donc de la gestion des villes et des espaces urbains. Le BIM, SIM sont considérés comme des inputs essentiels de ces jumeaux numériques urbains. Et ils se complètent via le fait que
le bâtiment, comme j'ai dit, donc il a des relations avec son contexte urbain. Et c'est là l'utilité et vraiment le potentiel de considérer les deux technologies. J'ajouterai un exemple, par exemple, pour justifier pourquoi c'est intéressant d'étudier le BIM intégré dans un contexte-ci. Je prendrai l'exemple de l'évaluation immobilière, par exemple. Alors, comme vous le savez, le bâtiment, il a une valeur immobilière qui dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont en inox, comme par exemple la qualité de la construction, la géométrie du bâtiment. Et tous ces éléments-là, donc, sont modélisables à travers une maquette BIM. On a la possibilité d'intégrer la sémantique sur le bâtiment, le matériau de construction, etc. Donc, et l'ensemble des éléments fonctionnels du bâtiment. Mais le bâtiment, sa valeur immobilière, il dépend également de plusieurs facteurs qui sont outdoor, qui sont externes, notamment l'ensoleillement, la qualité de vue, etc. Et c'est là où c'est intéressant d'intégrer une maquette BIM dans un contexte SIM pour pouvoir à la fois intégrer les simulations faites à une échelle BIM avec des simulations, une analyse spatiale 3D qui se fait dans un contexte SIM. Parce que c'est au niveau du SIM qu'on a la possibilité de faire des simulations d'interaction, de relations entre le bâtiment, par exemple, et la végétation, étudier, par exemple, donc la qualité de vue, etc. Et à travers cette intégration, on pourra parler d'une valeur immobilière représentative de la valeur du bâtiment. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il existe d'autres exemples sur la planification urbaine. Rien que la question énergétique aussi, on peut l'étudier à l'échelle du bâtiment, mais les interactions énergétiques dépassent le contexte du bâtiment pour intégrer les objets qui sont envoisinants, notamment les arbres. Donc, toutes ces applications et d'autres justifient l'usage du BIM et SIM et leur intégration pour arriver à étudier la ville d'une manière systémique, parce que la ville, le territoire d'une manière générale, donc c'est un ensemble, c'est un métasystème. Le bâtiment, c'est un objet de référence et il faut pouvoir faire cette intégration d'objets urbains et pouvoir les étudier d'une manière intégrée. Donc, les gens qui utilisent le BIM, ils ont intérêt à comprendre cette intégration. Et c'est là où le master offre cette possibilité de faire cette alliance des deux concepts et pouvoir les étudier d'une manière intégrée. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est BIM-SIM. Je finirai par une dernière chose en disant, donc c'est Walid, elle a parlé de la digitalisation et donc cette transition digitale. Maintenant, on est dans un monde qui évolue. On a beaucoup de révolutions technologiques et informatiques. Donc on est un peu submergé avec un ensemble de technologies, même dépassé parfois. Il faut être bien armé pour maîtriser l'espace qui nous entoure. On parle de beaucoup de smart city, de villes durables, de crises, etc. Donc, avec ces concepts BIM, SIM, on balise déjà le terrain pour maîtriser la ville, la modéliser, la simuler et ajouter d'autres éléments comme tout ce qui est intelligence artificielle, big data, IoT, pour ajouter cet aspect dynamique dans les espaces urbains. Ça permettrait d'avoir une maîtrise de l'espace urbain et pouvoir faire des simulations qui permettraient le bien-être du citoyen. C'est ce qui est important. On parle de smart city, human-centric approaches. Tout ça, ce sont des prérequis. Moi, je dirais le BIM, le SIM restent des prérequis qui sont essentiels à étudier à travers ce master-là. Voilà, je m'arrête là et donc, si possible, s'il y a des questions par la suite, on peut revenir sur certains concepts. Merci, Leila. D'accord, merci. Merci, Madame Rafika. Je pense que le message est très clair. On saisit à quel point c'est maintenant important de pouvoir maîtriser les deux approches et que c'est que pour le bien de l'avancement du projet, pour la résilience, la durabilité, que ce soit du projet architectural, du projet urbain, et que tout le monde a y gagné à travers l'intégration de ces deux masters, de ces deux approches. Tout à l'heure, professeur Rafiq Hajji parlait
de pouvoir être dans l'alliance entre le BIM, le CIM. Si Walid, il parlait des différents acteurs qui iront intervenir et comment la communication est plus fluide et plus, je veux dire, plus productive. Avant de clôturer, on voudrait donner la parole à un des alumni de l'édition précédente, c'est Hamid Jaguar, architecte du privé, enseignant également à la SAPLUSD, et on vous souhaiterait l'écouter sur son expérience du master, comment ça a pu l'aider sur sa carrière et comment il voit, je veux dire, tout l'usage possible suite à la formation. C'est Hamid, à vous la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui. Bon, Hamid Jaguar, architecte. J'ai 35 ans de métier derrière moi. Je suis un des premiers cadres Maroc en 90. Si j'ai choisi l'année dernière de faire un master, c'est parce que jusqu'à maintenant, on était sur des certifications en majorité. J'ai, par exemple, moi, je me suis certifié BIM CST de France, mais par rapport au Maroc, actuellement, les certifications ne suffisent pas. Il faut des diplômes. Donc, il fallait que je choisisse un master BIM. Mais un master BIM ne me suffisait pas parce que, comme je suis, par exemple, je suis le responsable de tout ce qui est digital et cadre au SAPLUSD. Il me fallait une formation complémentaire qui était CIM. Et j'ai eu la chance d'entendre parler d'un master en même temps BIM et CIM. Moi, je suis architecte de formation. Je suis quelqu'un qui a une expérience sur les modélisations depuis AutoCAD 2009. Passer au BIM n'est pas une facile. C'est-à-dire que ce n'est pas une modélisation tout simple d'un bâtiment et tout ça. Moi, il me fallait que j'intègre la notion de territoire et surtout avec ce qui s'est passé actuellement au Flowhouse, l'intérêt de ce master était flagrant. C'est-à-dire que là, on se dit. Tiens, on a la chance d'être un étudiant dans un master BIM-CIM et non pas BIM. Moi, j'ai intervenu sur la house en urgence. La chose qu'on voit au départ, c'est qu'on n'a pas de données. La house n'a pas été construite avec des plans d'architecte. Donc là, on a besoin de data. On a besoin de digitaliser. On a besoin de modéliser. Dans ce master BIM, on a l'occasion d'être dans un cursus où on vous apprend à utiliser le BIM, mais en même temps le CIM, ce qui C'est est très Hamid, si vous important. plaît. Mais si vous permettez, parce que je sais qu'il y en a des gens, je veux dire, parmi nous aujourd'hui, qui seraient toujours intéressés par l'intégration du CIM dans le house, qui sont sur des projets dans ce sens. Si vous pouvez rapidement nous éclairer comment vous avez approché l'intervention et l'action sur le house à travers ces nouveaux outils, c'est-à-dire pratiquement Ben, comment ça a pu aider. l'intervention que j'ai fait trois interventions en collaboration avec la SAPUSD. Ça veut dire que là, on n'avait pas de data. Donc, on s'est mis sur des plans d'aménagement. Il fallait digitaliser. Donc, on est passé par, honnêtement, à travers un professeur qui nous a enseigné et qui m'a aidé à utiliser tout ce qui est satellitaire. Donc, on est passé par d'abord des photos satellitaires pour repérer la zone sur laquelle on voulait intervenir. Après, il fallait digitaliser et modéliser. Et ça, ce n'était pas évident avec la donne qu'on avait. Donc, ce master m'a aidé parce que là, on avait utilisé la notion du scan 3D, des éléments de satellitaire par le SIC. On arrivait à lire des cartes, à avoir des données. En tant qu'architecte, moi, je suis BIM depuis 2000. Je suis un des premiers BIM. J'aurais pu me contenter et dire, je suis BIM. Mais je suis BIM sur un bâtiment. Là, l'intérêt de ce master par rapport aux autres, je ne vais pas citer
de nom, mais par rapport aux autres masters qui existent, c'est que c'est un des premiers au Maroc qui traite en même temps le BIM, c'est-à-dire par rapport au bâtiment, et surtout le CIM. Et en plus, l'avantage qu'on a dans ce master BIM, ce n'est pas pour le vendre ou l'ADA, c'est surtout le profil d'intervenants professeurs qui est là, sur un large choix, quoi. Il y a en plus, c'est un master BIM qui permet aux professionnels de faire leur master sans encombrement par rapport à leur profession. C'est-à-dire que nous, on avait les séances, c'était le vendredi et le samedi. C'est-à-dire que ça nous laissait une fois par mois. Parfois, on peut passer à plus selon l'intervention d'un prof. Il partait même plus loin. L'IM6P recevait, par exemple, un professeur éminent et la SAP plus D réussissait à le faire intervenir parce qu'il était sur le Maroc. C'est un master qui est ouvert. C'est-à-dire, ce n'est pas un master fermé où on a beaucoup d'intervenants, de professeurs sur plusieurs matières. Et l'intérêt de ce master, moi, par rapport à moi, architecte, qui ai quand même 35 ans d'exercice, c'est un nouveau challenge. C'est-à-dire que moi, je suis un spécialiste de tout ce qui est usine aéronautique, usine câblage voiture. J'ai fait pas mal de projets. Mais jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sur des projets ponctuels, mais jamais sur un territoire. Et là, voilà, c'était ça le profil que j'essayais de chercher. C'est un profil autre qu'un architecte qui ne travaille que sur son projet, faire sa maquette 3D, jumeaux numériques, tout ça. Donc, il y a une autre notion, qui est le CIM, BIM, CIM. Il y a beaucoup d'intervenants qui excellent dans ces domaines-là. Par exemple, on avait eu un prof pour nous enseigner tout ce qui est satellitaire, mais c'est impressionnant, quoi. Il y a Madame Rafiq Hajji qui nous montre par rapport à la topographie, ou il y a le SIG, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est pas, en plus, c'est pas un master dédié à une profession type architecte, ingénieur. Oui, il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il peut y avoir des topographes. Et l'intérêt que j'ai trouvé aussi dans ce master BIM, c'est ça l'avantage, c'est d'avoir un master BIM CIM, c'est-à-dire qu'on a plusieurs profils, et pas que des architectes, que des ingénieurs. Et là, on a intérêt, en tant qu'étudiant master BIPSIM, de lier, c'est-à-dire de nouer des liaisons avec les étudiants qui sont de plusieurs profils. Et comme le BIM, c'est vrai qu'on en parle depuis 2000 et ça n'arrive pas à prendre comme il faut parce qu'on parlait que du BIM. C'est-à-dire que Hamid, si vous BIM, là, permettez. Si Hamid, si vous permettez, je vais juste réorienter votre intervention par rapport à ce qui est attendu par les participants avec nous. Ma question, c'est, après toutes les connaissances que vous avez acquises sur le master, votre projet de fin d'études, comment pratiquement ça a pu vous aider dans votre cabinet, dans votre façon d'approcher les projets, dans votre façon d'être avec les partenaires, d'être avec vos clients? Comment ça a fluidifié le projet? Comment ça a rendu plus... Voilà, déjà, c'est-à-dire que on change de façon de travailler. C'est-à-dire D'accord. qu'avant, on travaillait en solo, dans son cabinet, on faisait son projet, et on se disait c'est le plus beau projet du monde, peut-être. Mais là, par contre, avec le master BIM, on parlait de collaboratif, mais là, on est carrément, c'est-à-dire que je suis sur une autre façon de voir le projet. Là, je pourrais faire un projet sur les houses, par exemple. Je ne D'accord. pouvais pas le faire avant parce que je n'avais pas l'attitude d'aller travailler sur le territoire. Et si on parle honnêtement par rapport à mon agence, par rapport à l'embauche, c'est une autre porte qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'on n'est plus que sur le projet archi ou urbain. On est sur le territorial, qui dit territorial, dit embrasse la totalité.
Mon agence, bien sûr qu'elle a pris plus d'opportunités par rapport au projet. C'est-à-dire, en tant qu'architecte, on est architecte, on sait faire des plans, on sait faire de la modélisation, on fait des images synthèses. Mais là, quand on passait au BIM, déjà, il faut dire que malgré qu'on parle du BIM, il n'y a pas beaucoup de diplômés BIM. C'est-à-dire que par rapport à l'embauche et par rapport à la période de la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, il y a beaucoup de projets qui. Et même l'État marocain, ça y est, elle intègre le BIM et le CIM dans ses commandes. Dans ses commandes. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent toucher un jour un projet BIM sur un concours ou là sur une commande, c'est-à-dire travailler en 2D ou là en CAD, c'est dépassé. C'est-à-dire qu'on était BIM, maintenant on a intérêt à être CIM parce qu'on ne parle plus que de la maquette 3D, on parle de. Jumeaux numériques, jumeaux numériques, c'est beaucoup de choses. C'est la data. En plus, à la SAP plus D, on a l'occasion d'avoir des profs de plusieurs profils. Donc, on arrive à voir ce que c'est un scan 3D par rapport à un bâtiment, par rapport à une ville. C'est-à-dire que mon agence, maintenant, dans mon agence, j'ai la possibilité c'est-à-dire de faire des concours peut-être sur des projets de territoire et non plus que sur des projets ponctuels archi. Donc pour vous, c'est que bénéfique de Ah oui, là, pouvoir vraiment. complètement, D'accord. Donc, c'est que ça soit pour bénéfique. les projets, que ça soit pour les opportunités, pour les nouveaux recrues, Les pour les jeunes diplômés, recrues, voilà. pour l'expérience, pour la formation. Et en plus, on est diplômé, on n'est pas certifié, c'est pas pareil. D'accord. Quand on dit j'ai un master, ça a de la valeur par rapport, surtout au Maroc, par rapport Un à la diplôme. commande publique. Alors qu'en Clairement. tant que BIM certifié, bon, j'ai une certification CSTV qui est reconnue royalement. Mais quand je voulais faire ou attaquer la commande publique par rapport au territoire et même par rapport au projet d'État, par exemple, on parlera de. Du CHU de Salé, on parlera des gares, des théâtres Rabat, la Tour. Là, le BIM commence à prendre place. Mais ce qui est bien pour ces nouveaux étudiants, c'est que vous êtes dans les premiers. C'est-à-dire que malgré qu'on parle de BIM, il n'y a pas beaucoup de BIM. C'est-à-dire d'architectes BIM, les topographes sont bien avancés, mais l'ingénierie et les architectes, pas beaucoup. En plus, en l'intégrant à la notion du territoire, là, on brasse, c'est-à-dire la porte est ouverte à plusieurs profils. Clairement. Et Si Hamid, surtout, si vous j'insiste permettez. sur, Oui, pardon, j'insiste c'est. sur le fait de faire un master BIM team, on n'est plus contre architecte ou ingénieur, c'est Toute une pluridisciplinaire, en fait. équipe, oui. Là, on échange les expériences avec les étudiants. En plus, on était presque tous des professionnels. Une étudiante qui n'était pas professionnelle. La majorité, c'est des architectes, des ingénieurs, des topographes. Donc, Clairement. moi, on ne parle plus que BIM, on parle BIM-CIM. C'est-à-dire que là, on attaque vraiment le territoire. Et les futures commandes, et ça, je le dis en tant qu'architecte exerçant, le bâtiment, on sait faire. Le territorial, on ne sait pas agir dedans. Et c'est l'avenir de la commande. Et je pense que tous les étudiants qui sont là, c'est qu'ils veulent avoir un plus par rapport à leur savoir-faire. Et ce master va nous ouvrir d'autres portes. Parfait, merci beaucoup, si Hamid. Je vois clairement votre point. Je vous remercie pour ce témoignage. Et donc là, c'est Merci de pour m'avoir vous, invité aussi. avec plaisir, c'est Hamid. Donc pour vous, clairement, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que tout bénéfique de pouvoir être sur la maîtrise du BIM, que ce soit pour la gestion des projets de cabinet ou des projets d'entreprise, mais aussi toute cette approche et tout cet aspect territorial dont vous venez de parler, qui commence à faire émerger, et surtout la commande publique qui va je veux dire, se réformer pour être sur les approches BIM et CIM, d'où d'ailleurs le besoin de faire le master. Pour Tout à l'heure, vous avez parlé. finir, ce n'est pas un master théorique. C'est ça qui est génial, c'est que l'école SAP plus D est équipée. C'est-à-dire qu'il y a des scanners 3D, il y a des casques verts,
On a un atelier digital avec une cinquantaine de machines, on a des casques verts. C'est-à-dire que c'est plus, ce n'est pas théorique. C'est-à-dire que c'est ça qui vient aussi. C'est que c'est en même temps, on tâte le terrain. Clair. D'ailleurs, Voilà. j'en parlais aux candidats, c'est-à-dire pour répondre aux, je veux dire, aux critères de localisation de certains candidats, le master il va se faire sur Rabat pour être un peu plus proche sur l'axe. Mais sinon, il y a des sessions qui vont se faire sur Ben-Guerrier et l'objectif, c'est un peu faire connaître l'école, faire connaître le campus, je veux dire, la ville de manière générale, mais surtout faire profiter les candidats de tout l'équipement de pointe qu'on a à l'ASA plus D et qui sera que, je veux dire, utile pour l'apprentissage au master. Sermi, tout à l'heure, vous avez parlé du scan to beam. Je voudrais redonner la parole à Siwalid. Je sais qu'il est expert dans ça et surtout pour nous parler de tous les avantages qu'on pourrait gagner, je veux dire, de manière pratique sur le chantier d'archi ou sur le chantier d'aménagement. Qu'est-ce qu'on gagnerait à être sur l'approche scan to beam? Merci Leila, merci Hamid pour cette belle, pour ce beau témoignage qui est vraiment expressif par rapport à cette ère de polyvalence. On n'est plus à l'architecte restreint dans son cabinet, on n'est plus à l'ingénieur restreint dans son bureau, on n'est plus à l'entreprise restreinte dans ses machines et dans ses dépôts pour fournir un travail. On est aujourd'hui des acteurs de l'acte de bâtir et l'acte qu'un bâtiment, qu'une entreprise, qu'un architecte, c'est un acte de construire et de dessiner un territoire. Aujourd'hui, le territoire dont on parle et dont le master est en train d'essayer de traiter l'utilité et l'usage, c'est le territoire marocain, mais aussi c'est ce positionnement de ce territoire marocain par rapport à un territoire du continent africain. Et c'est là où on voit l'envergure de la data et la dimension. Je reviens aussi à cette histoire de scan to beam. Pour être plus exact, on parle aujourd'hui d'une des applications, d'ailleurs, si on revient à ce que j'ai exposé, au niveau des cas d'usage qui existent à l'échelle internationale, la capture de la réalité qui comprend lasergrammétrie, photogrammétrie, capture par vidéo ou autre, et un des cas d'usage les plus transversaux et les plus utilisés parce qu'il aide réellement à gérer tous les aspects, avant, après, en amont, en aval, au moment de la construction, pour essayer de simuler et partir vers la réalité augmentée. On capte des réalités réelles et on essaie de joindre dessus des maquettes. Et pour nous, d'ailleurs, si Hamid, on en a discuté à maintes reprises aujourd'hui avec le projet qu'il est en train de gérer sur le house, la capture de la réalité du house en tant que site accidenté, en tant que site qui a une topographie assez difficile, je pourrais dire que grâce à tous ces moyens et grâce à toutes ces technologies, est devenu extraordinaire. Moi, je me rappelle, je vais vous donner un peu l'appétit. Imaginez à tous nos auditeurs, je vais leur dire, j'ai réussi à faire 85 hectares en 3 vols de 20 minutes par drone pour essayer de reconstituer la topographie d'un site qui est plein de bâtiments, plein de voiries, plein d'équipements, plein d'éléments. C'est extraordinaire. Si on était à la méthode conventionnelle, c'est-à-dire des techniciens et juste station totale avec notre porte-mire qui était là, même avec le GNSS ou autres technologies qui ne sont pas à la hauteur de la capture de la réalité aujourd'hui en matière de rapidité, d'exhaustivité de data, on pourrait pas être aussi rapide pour pouvoir répondre à une demande urgente de gestion d'un parc. J'ai pu faire la capture de la réalité d'un bâtiment colonial qui est classé patrimoine, qui totalise 11 000 mètres carrés couverts en 5 jours. Vous imaginez, en plus, on disposait d'aucun plan, on n'avait que des pièces. C'est un bâtiment qui a été, je vais parler un peu langage de boucher, mais réellement, il a été charcuté à travers des cloisonnements qui ont été rajoutés, qui ont été supprimés, des modifications, à travers toutes les administrations qui se sont succédées. Et le jour où on voulait l'exploiter, on n'avait plus aucune donnée et on a pu reconstituer la data au plus fiable possible. Donc, déjà, l'idée de capture de réalité,
elle ne se limite pas uniquement au scanner, elle part loin de ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a différentes technologies qui peuvent même faire la capture de la réalité de l'urbain et du territoire pour essayer d'insérer des maquettes BIM à l'intérieur d'un espace géographique bien déterminé avec toutes les définitions. Donc, c'est une des technologies qui sera découverte lors de ce master et qui va faire la jonction entre en fait, les deux dimensions et les deux processus BIM et SIM, en passant par le SIG, bien sûr. Et c'est pour moi, architecte, je pourrais dire, et je pense que si Hamid peut le confirmer, Madame Rafira de son côté, avec l'autre casquette, on arrive enfin à pouvoir simuler et discuter. Une des expositions qui nous a marqué, on a été avec Hamid et nos étudiants au JITEX, au niveau de la commune de Dubaï, la gestion entre la mixité entre BIM et SIM, c'est aujourd'hui un élément stratégique de gérer la ville. Et parmi les éléments, par exemple, ils ont toute la data, infrastructure, suprastructure, bâtiment, building, etc., que ce soit tridimensionnel, mais aussi la sémantique de tous ces éléments. Et parmi les éléments stratégiques qu'ils ont pu implémenter, c'est pouvoir gérer les états d'alerte pour une intervention des équipes de sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, on peut tout simplement puiser dans la data du bâtiment pour définir les typologies, la typologie du bâtiment, la consistance, les matériaux, inflammables ou pas. Et en fonction de ce qui nous attend sur site, on dimensionne et on programme l'action des sapeurs-pompiers et l'action de sauvetage dès le départ, avant de partir sur site. C'est-à-dire, c'est carrément du prospectif. C'est, on anticipe avant que les choses ne se compliquent. C'est un peu tout ça aussi que le master va faire découvrir à nos candidats. Mais aussi, il faut dire que la pluridisciplinarité des différents inscrits va créer aussi une richesse d'échanges autour des différentes spécialités. Et quoi qu'il en soit, mis à part connaître le BIM, le SIM, le SIG, vous aurez aussi d'autres facettes professionnelles à découvrir, un networking à établir, et c'est ce qui va faire développer, en fait, c'est l'idée globale de ces masters professionnels, c'est de développer la culture du networking professionnel au niveau du secteur du BTP et de l'aménagement du territoire au Maroc. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été patient et de m'avoir écouté. Merci. Merci, c'est Walid. Avant de passer à la session questions-réponses, on a encore un autre membre de l'équipe pédagogique, Madame Amel Maizi, architecte, experte en BIM également. Amel, vous êtes là? Amel, on voudra vous écouter parler sur, de façon très brève et concise, parce qu'on est un peu serré par le temps. Comment vous voyez tout l'intérêt d'utiliser l'approche BIM? Je sais que vous êtes beaucoup plus BIM. Pour vous, quel intérêt d'être sur le BIM aujourd'hui? Amel? Je pense que le temps qu'il se connecte, on peut déjà recueillir quelques questions de la part des participants. Je ne sais pas si vous avez des questions, on pourra répondre. Avant d'attaquer les questions, j'ai oublié de préciser que sur ce master, on nous enseigne quand même sur 3 jours, par exemple, on nous a enseigné un peu Revit, Civic 3D. On va avoir une formation aussi sur quelques logiciels. Et ça, c'est important aussi. Pardon, c'est Hamid, si vous pouvez encore détailler plus. C'est-à-dire que sur cette formation, on a eu la chance d'avoir quand même des enseignants sur Revit, sur Civil 3D, sur InfraWorks. Donc, ça a son intérêt aussi. C'est-à-dire que pour les gens qui n'utilisent pas ces logiciels, on a quand même des exercices. On a eu un formateur pour Revit qui est venu de Canada qui excelle dans ce domaine. On a eu en Civil 3D. Donc, cette formation, pour moi, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on est assez complet. Donc, je laisse la parole à Amel. Parce que Amel, tu nous entends pas? On a juste un souci de. Amel, tu peux désactiver ton micro maintenant? Oui, ça fonctionne. Oui. D'accord, ça fonctionne. Excusez-moi. Bonjour tout le monde.
Quelle belle initiative et quel beau regroupement, j'imagine, de compétences et de diversité. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Leïla de m'inviter et de m'intégrer à cette belle communauté. Je vais être très brève vu que j'arrive à la fin un petit peu de cette discussion. De mon point de vue, ce que je vais souhaiter, disons, présenter au niveau de ce master, c'est la partie vraiment pratique chantier du process et les cas pratiques qu'on vit aujourd'hui dans les projets où le BIM est utilisé et où il reste encore beaucoup de choses à perfectionner et à mettre en place. Donc moi, je vais vraiment aller directement vers le volet, disons, pratique chantier, pratique principalement sur trois grands axes, l'axe de la coordination, l'axe des extractions de données et l'axe de suivi de chantier des suivis de chantier, que ce soit les métriques, que ce soit le suivi des travaux, etc. C'est vraiment sur ça que je vais m'intégrer. Et bien entendu, nos approches sont tout aussi complémentaires elles vont pouvoir se compléter. Moi, je pense que l'idéal, ce serait de pouvoir avoir la vision globale de chaque intervention en amont pour pouvoir essayer de la peaufiner et de faire des ajustements pour pas qu'il y ait de redondance et pour qu'il y ait vraiment un seul fil conducteur jusqu'à la fin du début du master à sa fin. Les projets sur lesquels nous travaillons sont principalement des projets qui sont hospitaliers aujourd'hui. Un projet hospitalier, on le sait, est un des projets les plus complexes et les plus complets au niveau des projets de construction. Du fait d'avoir des disciplines qui sont différentes, une coordination qui se veut non seulement architecturale, mais également fonctionnelle. Je pense que ce serait des cas d'études qui sont assez intéressants pour l'ensemble des professionnels qui vont intégrer le master. Nous pouvons également proposer d'autres typologies de projets, des résidences, des écoles, etc., qui peuvent aussi parler aux inscrits. Donc, on reste ouvert par rapport aux cas d'études, bien entendu, sachant que les cas de figure les plus complexes, ce seraient les tours et les hôpitaux. Et nous avons la possibilité de présenter ces deux cas de figure-là dans nos cours. Je ne sais pas si vous vouliez précisément que je parle d'une chose précise ou... En fait, voilà. Donc, ma question est, pour les 3 minutes qui nous restent, c'est-à-dire avec l'approche BIM, comment ça peut apporter une nouvelle vision sur le chantier, une nouvelle vision, que ce soit sur la coordination, sur la gestion du chantier, comment ça peut être plus fluide avec les outils BIM? Alors, d'accord, je vais répondre d'une manière assez brève et puis sans rentrer forcément dans les détails, ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir voir au niveau du master. L'approche BIM, c'est une approche qui se veut être gagnante en termes de temps et de coûts. Donc, on sait très bien que le nerf de guerre dans les projets de construction, c'est le budget et le temps. Aujourd'hui, on est au niveau de projets au Maroc qui sont structurants et qui se veulent finir dans des échéances de plus en plus challengeantes. C'est des échéances qui sont dues au fait d'avoir, par exemple, une Coupe du Monde et en 2030 ou des choses comme ça. Donc, on se doit de construire dans les délais, avec, bien entendu, en maintenant, bien entendu, la qualité. Ce n'est pas possible autrement, aujourd'hui, autrement que par un processus qui se veut de plus en plus perfectionnable et qui est aujourd'hui le processus BIM. On ne peut pas aujourd'hui travailler un projet pour une livraison en 2025 d'un hôpital avec, je ne sais pas, plus de 300 lits, avec une approche standard. C'est juste impossible parce qu'on sait qu'en fait, la conception et l'exécution est une chose. L'exécution en elle-même sera autre chose si elle n'est pas coordonnée en amont. Et si on vient résoudre tous les problèmes au niveau du chantier, ça va prendre 3 fois plus de temps et 3 fois plus d'argent. Le mot 3 fois est relatif, bien entendu, c'est juste une image. Mais voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de nos chantiers, ça nous permet de pouvoir assurer les délais en essayant d'avoir une sorte de maîtrise et de contrôle du coût avec les différents changements dans le temps, les différentes modifications qui peuvent venir
ces modifications, elles surviennent soit par rapport à une demande client, donc une nouvelle demande, soit par rapport à une contrainte de développement d'exé qui apparaît au fur et à mesure du développement des études. Donc, il y a ces différents cas de figure-là qui sont de plus en plus maîtrisables en utilisant un processus. D'accord. Merci, Amel. Donc, je retiens deux maîtres mots. C'est toute l'optimisation qui est possible, principalement sur le temps, principalement sur le coût, au regard de toutes, je veux dire, de tous les changements qui peuvent subvenir sur la vie d'un chantier. Je vous remercie. Je souhaiterais donner la parole au public pour connaître un peu leurs questions. Et maintenant, on est là pour répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, que ce soit vous les poser ou bien vous les poser sur les chats. À vous de voir. Il y a Hasna Zouawi qui a posé une question sur les logiciels qu'il faut maîtriser. Je pense vous vouliez dire comme prérequis à ce master. C'était ça, Hasna, c'était ça un peu votre question. Si Walid, si Hamid, Amel, comment on peut répondre à la question de maîtrise et de prérequis de logiciels par rapport à, au début de la formation? Je me permets? Oui. D'accord, ok. Cette question, elle est nécessaire et à la fois, attention, parce qu'on n'est pas dans un master qui se veut orienter logiciel, mais qui se veut orienter management et maîtrise du processus. Donc, une des premières données, je pense, au niveau des cours, ce sera de distinguer l'outil du process. D'accord. Ici, le master se veut orienter théorique et pratique du BIM en soi et non pas des outils. Vous allez voir que d'autres universités ou d'autres instances proposent des formations BIM mais orientées logiciel et c'est pas du tout ce qu'on veut. L'outil, il dépend principalement de la discipline sur laquelle vous travaillez. Donc, si vous êtes en VRD, ce n'est pas comme quand vous êtes en électricité, ce n'est pas comme quand vous êtes en fluide ou en structure ou en archi. Les logiciels, c'est pour une modélisation 3D, mais il n'y a pas seulement de la 3D dans le BIM. Donc, il va y avoir d'autres dimensions que vous allez voir. Donc, je pense que la maîtrise d'un outil particulier n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, il y a quand même des logiciels qu'on préconise de par le fait qu'ils sont plus à même à répondre à une multidisciplinarité. Et ça, c'est dans le close BIM. Et j'irai vers le Revit, par exemple. Si vous êtes en démarrage de carrière et que vous êtes en train d'apprendre les outils, il vaut mieux vous orienter quand vous êtes dans une discipline archi, structure béton, l'eau technique, vers Revit plutôt que d'autres outils, parce que c'est vraiment un outil qui est plus complet et qui peut fonctionner en close BIM, encore une fois, de manière efficace avec les autres disciplines, si les autres aussi sont dans ces outils. Mais voilà, je pense, je laisse la parole aux autres. Oui, c'était très clair. Okay. C'était très clair. Je ne sais pas s'il y a une autre question de la part des participants. Il dit que c'est clair. Merci pour votre réponse, Amal. Pas de questions. Autrement, on va devoir clore. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pour l'auditoire, ceux qui nous écoutent encore.